aujourd'hui, je vais vous proposer de faire ce petit nounours. Alors voilà, je suis blanche mais écarlate. Je brille de mille feux. J'ai été obligée de tourner le truc parce que j'étais blanche vraiment. Voilà, alors aujourd'hui je vous propose ce petit ourson. Alors, c'est un petit ourson qui vient de... Ouh, aïe, aïe, attendez, je regarde. Je regarde. C'est un modèle que j'ai trouvé sur Pinterest et c'est mademoiselle, Katerina... Gushina. Voilà. Katerina Gushina, ou je ne sais quoi, qui propose ces petits oursons. Elle met un petit nœud sur la tête. Voilà, je vous montre. Moi, je ne l'ai pas mis. Je ne l'ai pas mis parce que je trouve mignon comme ça. J'ai pas du tout envie de mettre autre chose. Elle fait aussi les petites pommettes roses sur les joues, si vous voulez faire les pommettes roses. Mais non, j'avais pas envie. Vraiment, comme ça, je trouve vraiment chouette. Il est choupinou. J'ai mis la tête un peu de travers, c'est pas grave. Voilà, il est tout choupinou. Je pense que c'est un modèle qu'on peut exploiter et... qu'on peut exploiter et faire sous différentes formes. Ouais, je pense aussi. Voilà, donc pour faire cet ourson, je le baisse parce qu'à chaque fois, je suis... Voilà, désolée pour les variations de lumière. Pour faire cet ourson, il vous faut du coton. De la couleur que vous voulez hein, et un autre coton d'une autre couleur si vous voulez faire si vous voulez faire le nœud d'une autre couleur. Il vous faudra des yeux en plastique. Si vous n'en avez pas, vous pouvez les broder bien sûr. Un fil noir pour broder les sourcils, la truffe. Il vous faudra de la ouate à l'intérieur, une paire de ciseaux bien sûr, un crochet bien sûr, plus petit que la taille donnée pour le coton puisque c'est un amigurumi et il faut qu'il soit serré, une aiguille à coudre, une paire de ciseaux, je l'ai dit, oui, un crochet, enfin voilà le... mais la difficulté n'est vraiment pas au rendez-vous, il est très simple à faire. Je vais commencer, vous verrez, par les bras et les oreilles, vous comprendrez pourquoi dans la démo. Voilà, bon ben, je vous souhaite une très très bonne réalisation. Ça va tomber. Purée. Waouh. J'essaye de terminer parce qu'il y a une lumière de... De 1. Voilà. Et bon ben, je vous souhaite une très bonne réalisation. J'espère que vous vous régalerez à le faire parce que vraiment, il est chou. Moi, je vais en faire plein. Je vais le décliner et je vous dis que cet été, vous en retrouverez sur les marchés. Ouais. Parce qu'il est chouette. Voilà. Bonne réalisation, amusez-vous bien. Et puis voilà, c'est à vous. C'est à vous. Allez, on est parti. Alors, on va commencer par les petites choses, c'est-à-dire on va commencer par les bras. Donc, pour les bras, on fait un cercle magique de 6. Cercle magique. Et 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On ferme le cercle magique et on va faire ensuite 5 rangs de 6 mailles serrées. Donc 5 rangs de 6 mailles serrées, on va venir commencer le premier rang ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ici le premier rang, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors il se peut qu'il tourne un peu dans ce sens là, donc là on va bien le remettre dès le départ, voilà, pour lui donner la bonne forme. Donc là on a 6, 6, et on fait ça pendant 5 rangs, je vous montre, j'en ai déjà fait une, voilà, ça donne ça. Donc, 6, 1, donc ça c'est le cercle magique, 1, 2, 3, 4,
et 5 rangs. D'accord? Voilà pour faire les petits bras. C'est simple. Pour faire les oreilles, vous faites exactement ce qu'on vient de faire là. 6 mailles serrées aussi. Donc les bras, vous les faites... Bah, logique, hein, mais vous en faites 2, ok? Pour faire les oreilles, on fait un cercle magique, exactement ce qu'on vient de faire, de 6 mailles serrées, et on fait un deuxième rang à 6 mailles serrées. Voilà pourquoi je le fais au début, et je le fais avec vous, comme ça. Donc pour ça, c'est pour l'oreille, donc là, 6 mailles serrées, une maille sur chaque maille, et on vient finir par une maille coulée. Voilà, et là on a fait notre oreille. On fait deux oreilles comme ça. Voilà. Pardon. Donc on fait deux oreilles, une comme ça. Voilà, nos deux oreilles sont les mêmes. Sauf que celle-ci, je l'ai aplatie. Voilà. Nos deux petits bras. Voilà. Et ensuite, on va faire la tête. Allez, c'est parti. C'est parti mon kiki pour la tête. Alors ça, je l'ai pas faite, je regarde. Donc elle nous dit de faire 6 mailles serrées. Allez, hop, on y va. Donc 6 mailles serrées. Une, deux, trois, 5 et 6. Facile. Ensuite, on augmente pour en avoir 12, donc on double. On double chaque maille. Je vais mettre le ciseau ici. Donc, on va doubler chaque maille. Hop. La première est ici. Une et deux dans la première. 3 et 4 dans la suivante. 5 et 6 dans la suivante. Dans la suivante, on fait 7 et 8. Dans la suivante, on fait 9 et 10. Et dans la dernière, on fait 11 et 12. On a fini le deuxième rang. Pour le troisième rang, on va faire une maille sur... On va augmenter toutes les deux mailles, quoi, comme d'hab. Donc on va faire une, deux et trois dans la suivante, deux et trois. On va passer de 12 à 18, 4, 5 et 6, 7, 8 et 9. Vous comprenez, quand je dis 8 et 9, ça veut dire qu'on en fait 2 au même endroit. 10 toute seule. 11 et 12 au même endroit. 13 toute seule. 14 et 15 au même endroit. 16 toute seule. 17 et 18 au même endroit. Voilà. Donc là, on a fait le rang 3. On va faire le rang 4 en augmentant toutes les 3 mailles cette fois. Donc, 1, 2, à 3 j'augmente, donc 3 et 4 au même endroit, pour passer de 18 à 24, 5, 6, 7 et 8, 9 toute seule, 10 toute seule, 11 et 12 au même endroit, 13 toute seule, 14 toute seule, 15 et 16 au même endroit, 17 toute seule, 18 toute seule, 19 et 20 au même endroit, 21 toute seule, 22 toute seule, 23 et 24 au même endroit. On a fait le quatrième rang. Maintenant le cinquième rang. On va augmenter donc toutes les 5 mailles, c'est ça? 2, 3, oui. Toutes les 4 mailles, pardon. Alors on y va, on va faire 1, 2, 3,
et on va augmenter sur 4 et 5. 4 et 5, et donc on va passer de 24 à 30. 6, 7, 8, 9 et 10, 11, 12, 13, 14 et 15 au même endroit, 16, 17, 18, 19 et 20 au même endroit, 21, 22, 23, 24 et 25 au même endroit, 26, 27, 28, 29 et 30 au même endroit, voilà. Et le rang 6, le dernier rang des augmentations où on va augmenter toutes les 5 mailles pour en obtenir 36. Donc on y va, on va faire 1, 2, 3, 4 et sur la cinquième maille on augmente 5 et 6 au même endroit, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 au même endroit, 13, 14, 15, 15, 16, 17 et 18 au même endroit, 19, 20, 21, 22, 23 et 24 dans la même maille, 25, 26, 27, 28, hop, 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 hop. 29 et 30 au même endroit, 31, 32, 33, 34, 35 et 36 pour terminer au même endroit. Voilà, donc là on a nos 6 rangs. Et elle nous dit de faire le rang 7, 8, 9, 10, 11, 12 à 36 mailles serrées. Donc là on va faire 6 rangées de plus à 36 mailles. Donc je prends toujours mon fil là que j'ai laissé du début en tant que marqueur. Et à partir de là, hop, voilà. Je vais faire donc 6 rangées à 36 mailles, c'est-à-dire je ne fais plus aucune augmentation, je laisse aller mon crochet tout le long, en rond, je ne réfléchis plus, jusqu'à ce que j'obtienne en tout 12 rangs. Donc on part de là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, je vous retrouve, je vais pas vous filmer les 12 rangs, hein. Donc je vous retrouve en haut des 12 rangs, à tout de suite. Me voilà arrivé tout en haut. Donc je vous montre pour compter si vous avez des difficultés. Hop, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos 6 rangs d'augmentation. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs supplémentaires. D'accord? Donc, arrivé ici, on va regarder où sont les yeux sur le schéma, puisque je vais exactement faire les siens de Tini. Donc, on va peut-être commencer les diminutions avant. Ouais, je vais faire les diminutions avant parce que ses yeux sont... Ok. Ok. Donc, à partir de là, on va commencer à diminuer. Et le rang 13, on va faire... 30 mailles serrées. Donc là on en a 36 et on va passer de 36 à 30. Donc pour ça on va diminuer sur les mailles 5 et 6. On y va. 1, 2, 3, 4 et pour 5
Et si on diminue, je vous montre les diminutions, vous le savez, on prend le brin avant de la maille 5, le brin avant de la maille 6 et on crochette exactement comme si on faisait une maille serrée. Donc 6, 7, 8, 9, 10, 11, attendez, je vous dis une bêtise. Donc là, on a fait 1, 2, 3, 4, 5. On a diminué, ouais. Donc pas 11, mais... Donc là, on va faire 1, 2, 3. Oh là 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 là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. On diminue. 1, 2, 3, 4. Voilà. On va diminuer. Pour 10, on va diminuer pareil. Donc 10, on diminue. 11, 12, 13, 14. Et là, on diminue à 15. 16, 17, 18. 19 à 20, on diminue. 21, 22, 23, 24 et 25, on diminue. Donc 25, hop, c'est notre diminution. 26, 27, 28, 29 et 30 sera notre diminution. Voilà, c'est vrai que c'est qui est énervé, qui claque les portes, mais... 30 sera notre diminution. Donc, on va passer maintenant au rang 14 et on va passer de 30 mailles serrées à 24. Donc là, on va diminuer sur 4, 3 et 4. Donc, on va faire 4 et 5, pardon. 1, 2, 3 et on va diminuer sur 4 et 5. D'accord ? Donc 4, 5, 6, 7. Pour 8, on diminue. 9, 10, 11. Et pour 12, on diminue. 13, 14, 15, pour 16 on diminue, 17, 18, 19, pour 20 on va diminuer, 21, 22, 23, et pour 24, diminue. On a terminé le rang. On a terminé le rang 14. Je pense que là, on va placer nos yeux. Et on va placer nos yeux à peu près. Alors, je vais regarder où elle les a placés, elle. Elle les a placés ici. Je vais vous dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dans le dixième intervalle. Et elle a laissé combien de mailles entre les deux? Oups! Elle a laissé... 4. Alors, le dixième intervalle, 1, 2, 4, 5, et le septième ici.
Voilà. Donc, vous comptez là 10 intervalles et 6 mailles vides entre les deux yeux. Mais ses yeux sont beaucoup, beaucoup plus fins que les miens. Donc, je sais pas si j'en ai pas des plus fins. Je vais regarder. Voilà, j'ai trouvé des petits yeux un peu plus fins. Je les ai posés. Donc, 10 intervalles et 6 vides ici. Voilà. Ok. Donc, nous sommes à... J'arrive. Je m'installe. Vous m'avez pas vu, mais... Alors, ensuite, on va passer de 24 à 18. Je suppose qu'il n'y a pas de surprise. Non, il n'y a pas de surprise. Donc, il n'y a pas de surprise. Donc, on va faire 1, 2. Et pour 3, on va diminuer. 4, 5. Et pour 6, on diminue. 7. 8, 9, on diminue, 10, 11, pour 12, on diminue, 13, 14, pour 15, on diminue. 16. 17. Et pour 18, on diminue. Et là, hop, on va commencer à mettre un petit peu de watts à l'intérieur de cette bouille. Alors... Voilà. Donc là, on teste bien, hein, parce que vous savez que normalement, le principe de l'amigurumi, c'est ça, c'est de bien, bien tasser. On en met bien autour des yeux aussi, pour pas qu'on voit la petite attache. Je vais la garder là, parce que, bien sûr, entre les yeux. Là, je pense qu'elle est bien, bien tassée. Hein. Ouais, c'est bon, on a bien bien tassé, hop, j'en ai bien mis derrière, partout, et à partir de là, on va encore diminuer, et on va passer de 18 mailles serrées à 12, en diminuant toutes les deux mailles, donc, 1, à 2 je diminue, 3, je diminue sur 4, 5, je diminue sur 6, voilà. Le fantôme, 7, je diminue sur 8, 9, je diminue sur 10, 11 et je termine avec une diminution qui sera la 12e maille serrée. Là, je vais compléter en fait le rembourrage pour aller vraiment dans les petits interstices où j'étais pas bien. Bon. Donc bien bien entre les yeux, sous les yeux aussi. C'est important. Moi, j'ai tendance à pas trop mettre de watts, mais en fait, je me rends compte que c'est vachement important. Voilà.
qui donne aussi, voilà. Elle est vraiment très jolie cette tête. Oups, pardon. Elle est vraiment très jolie. Là, on va fermer en fait en faisant 6 diminutions. Donc, une, deux, trois. Quatre, cinq et six. On va terminer par une maille coulée. J'aime bien faire une maille coulée et un nœud. Et on va laisser du fil. Voilà. Voilà notre tête. On va terminer le corps et après on fera tout ce qui est couture. Donc pour le corps, on va faire deux petites papates. La première avec 6 mailles serrées. Une, deux, trois, quatre, cinq et six. On va fermer, voilà. Et là, on va faire 12 mailles. Donc, on va doubler chacune de nos mailles pour en obtenir 12. On y va. Une. La première, je la serre toujours trop. Voilà, donc on va faire une et deux au même endroit. Une, deux, trois, quatre, cinq et six, sept et huit, neuf. Et 10 et 11 et 12. Voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. À partir de là, on va faire. Trois rangs supplémentaires à 12 mailles serrées. Ça nous fera en tout 5 rangs. Donc là, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12. Donc on en est à 3 rangs, il en manque 2. Je vous laisse les terminer tout seul et je vous rejoins en haut des 5 rangs en fait, hein. Donc vous faites encore 2 rangs à 12 mailles serrées. Alors quand vous avez fini la première maille, vous tirez un tout petit peu, vous coupez comme ceci de manière à laisser en fait une petite boucle, ok? Comme ça, vous la laissez comme en attente, mais vous coupez le fil. Voilà. Vous faites votre seconde maille, mais là vous ne coupez pas. Et quand vous arrivez au bout de votre seconde maille, votre seconde patte, n'importe quoi, oh là là. Donc vous faites votre seconde patte, mais là vous coupez pas. Et quand vous arrivez au bout, vous allez faire une et deux mailles en l'air, ce qui va être notre entrejambe en fait. Et on va reprendre ici dans la boucle qu'on a laissée. Ici, on va reprendre la suite des événements. Donc on va continuer. Là, on en était là. On va reprendre ici, là.
à la suite une maille serrée. Donc vous avez vos deux mailles en l'air, vous avez la boucle de cette jambe là, et là on va reprendre une maille serrée pour joindre tout le travail. Une, on continue, deux, trois, 4, 5, là c'est très important de compter pour pas vous perdre, 6, 7, aïe pardon je vous fous des coups, 8, 9, 10, 11 et 12, ça veut dire qu'on a fait le tour. Je me rapproche. Là, hop, on va faire dans les deux mailles en l'air, deux mailles en fait. Donc, dans la première des mailles en l'air, ici, je vais faire une maille serrée, une maille serrée. On va bien serrer quand même. Ah là 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 là. Je vais même prendre ici pour bien serrer le travail. Donc là, dans la première maille en l'air, on va faire une maille serrée, une, et dans la deuxième, on va faire une maille serrée, deux. Ok. Et on va reprendre ici, donc une, deux, trois, quatre, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Oh là là, zut, pardon, et tous. Et là, on est arrivé au bout du sixième rang. Rappelez-vous, on avait fait... septième rang. Rappelez-vous, on avait fait... sixième rang, pardon. On a fait 1, 2, 3, 4, 5 jambes. Et ça, c'est le sixième rang avec l'entrejambe qui est là. D'accord ? On va faire le septième rang. Donc en tout, on a 12 et 12, ça fait 24. Plus les deux ici, fois 2, donc plus 4, ça fait 28 mailles serrées. Donc là, on va faire une. C'est un petit peu, petit bonheur la chance, non, ça va. Une et deux. Ok. C'est les deux premières. Nos 12 mailles serrées. Donc c'est parti, mon kiki. Ici. Donc 1, 2. À la fin, on en aura 14. 1, 2. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.
exact. Oups. Et 28. Voilà. Donc là, on en est à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qu'est-ce que je vous ai ? 5, 6. 7e rang. On en est à notre 7e rang. Ouais, c'est ça. On va encore en faire 3. Il en faut 11 en fait en tout. Donc moi je vais continuer. Je vous retrouve quand on a au total 11 rangs. Et voilà. Donc voilà, j'ai fait mes rangs supplémentaires. Mais ça me fait bizarre. Mais il m'en manque un. Donc j'en refais un. Il me manquait un tour, donc j'ai fini. Donc a priori, à partir de là, elle nous dit carrément de diminuer. Donc je pense que on va rentrer tous les fils. Vous pouvez les couper hein, si vous embête, mais moi je vais les rentrer. Et je vais quand même rembourrer les pattes, parce qu'après j'ai peur que ça soit compliqué. Donc on va mettre de la ouate dans les papates. Voilà. Il est super agréable à faire en tout cas et c'est un classique mais c'est chouette. Ouais, ça va le faire. Et là en fait elle nous dit de faire une maille serrée, une diminution d'entrée, hein, une maille serrée. Une diminution, une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution. J'aurais pas fait ça, mais bon. Une maille serrée, une diminution. Sur tout le tour, une maille serrée, une diminution. Une maille serrée, une diminution. Une maille serrée, une diminution. Et si j'ai pas compté, vous allez voir pourquoi. C'est parce qu'en fait, on va tout terminer comme ça. Une maille serrée, une diminution. Donc là, j'ai fait un tour. Une maille serrée. Oups. Et là, on va mettre de la ouate. Va falloir mettre la ouate au fur et à mesure, à mon avis, parce que une maille serrée, une diminution, on va vite être à la fin du corps. Voilà. Mais en fait, ça donne un petit relief et un bidou super joli. Je comprends pourquoi elle fait comme ça. Ça donne un petit corps vraiment trop mignon, tout rond en fait. C'est très joli. Oui, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Vous voyez cette forme trop mignonne là, de petite papate. Oh là là, c'est génial. Bravo. Bravo, Katia ou Katharina, je sais plus. Katharina. Voilà. Donc là, elle nous dit de continuer comme ça jusqu'à ce qu'on ferme en fait le nounours. Donc on va continuer. Hein. Donc j'ai fait une maille serrée, donc maintenant je vais faire une diminution. Une maille serrée. Oups. Là. Une diminution. Une maille serrée. Une diminution. Une maille serrée. Diminution, c'est rigolo. Une maille serrée, une diminution, une maille serrée,
une dimension. Je pense que je vais remettre un tout petit peu de watt. Oui. Vous voyez, il faut vraiment y aller avec parcimonie, mais progressivement, et c'est sympa. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien, je me régale. C'est bien aussi de faire les tutos des autres parce qu'on se laisse guider, on réfléchit pas et c'est assez, c'est vraiment sympathique. Voilà, donc là, on continue. Ça m'arrive rarement, mais c'est vrai que... C'est bien de ne pas réfléchir. Ouais, là je vais vraiment. Je vais plus ici parce que j'ai l'impression que j'en avais mis moins de ce côté. Quoique, hop, ça rentre bien ici aussi. L'astuce du ciseau, elle est géniale. Hein. Je pense que. Je sais. Oh, j'ai plus de sang dans ma jambe. Je sais pas si vous voyez, mais là, vraiment, la petite forme sympatoche qu'il a, ce petit ourson. On va faire le dernier tour, je pense que ça va suffire après. Donc je suis sur une diminution, donc je reprends une maille serrée. Une diminution. Oh oui, ça va suffire amplement. Une maille serrée. Une diminution. Une maille serrée. Une diminution. Serré et une diminution et je pense que là on va arrêter, on va même arrêter sur une diminution coulée. Hop, voilà, je sais pas, j'ai pas passé ah oui, j'ai chopé ça qui allait pas. Ah zut, je vais pas y arriver. Oh, zut. Mais donc ça, c'était une diminution. Ah, cafouillage quand tu me tiens, voilà. Diminution. Ici on fait notre dernière diminution. Voilà, et c'est là que j'ai cafouillé parce que voilà. Et je coupe. Désolée pour ce petit cafouillage. Je suis allée chercher mon aiguille et en fait on va mettre directement les bras. Sur l'arrière. On va mettre directement les bras parce qu'en fait la tête vient vraiment. Vous voyez ce coincé là, ils sont vraiment coincés sous la tête, enfin je sais pas comment vous expliquer, mais sur le schéma ils sont comme ça, donc on va essayer de les faire. Je vais vous montrer pour un bras et puis ensuite vous ferez le second tout seul. On va le mettre vraiment au proche, donc à peu près ici ou pas, attendez, ou pas, on va le mettre là. C'est dur hein, de piquer tout le temps là et de hop quand ça veut pas. Voilà, voilà, hop. Et je vais faire un point et je vais venir ici et je ferai un nœud dans la tête, dans le cou en fait.
Bon, je vais mettre le deuxième. Je vais le faire en off. Hein. Ensuite, avant de mettre la tête, on va mettre les oreilles. Alors, les oreilles, je sais pas où elle les a mises. Elle les a mises assez en... Ouais, voilà. À peu près ici. À peu près ici. Donc, je vais mettre les oreilles. Voilà, j'ai mis les oreilles, j'ai mis les bras. Je vais fixer la tête ici. Et je vous retrouve après. Voilà, le petit nounours. On va faire le petit nez. Alors pour ça, on va prendre un coton un peu plus fin, noir. On va faire le petit museau. On va le faire exactement comme sur le modèle. Je prends du coton noir. Et voilà. Je vais passer ici le milieu. Voilà. Voilà, donc le petit museau, il va se faire entre ici et là. Je vais pas tout vous faire hein. Donc elle fait ça et ensuite elle fait vachement plus bas le trait. Je vais faire comme elle. Voilà. Et le petit regard ça c'est le trait. Voilà, le petit. Oh. Voilà. Voilà pour le mignon. Je vais faire le nœud. Pour finir, on fait le nœud sur la petite tête. Donc, on fait une chaînette. On va faire 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Une pour tourner. Dans la première, on va en faire 2. 1. Et 2. Ici, on va en faire une. Ici, on va en faire une. Dans la dernière, on va en faire 4. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Ici, on revient sur nos pas, on fait une, ici une, et dans la dernière on en fait deux, une et deux, et on vient faire ici une maille coulée. Là, je vais couper ça.
on vient passer le fil de notre maille coulée derrière. Voilà. On vient ici au milieu. On va faire un petit pinceau. Petit pinceau mignon et on va mettre le nœud ici. On met le nœud ici. Hop, si vous voulez mettre un petit nœud, mais moi franchement je la laisse hop sans son petit nœud, je le trouve super mignon. Voilà, ben j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt, bye bye pour une prochaine vidéo. Salut! Des bisous des poutous, du crochet et tout et tout et tout.